Están matando gente, tú eres el mismo. Algo de demonio. Je sais que y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Il y en a qui ne peuvent pas parler parce que tout le monde ne peut pas parler, mais je vois ici des dames, des épouses, des gens que j'ai connus de très près. Elle n'a pas de bruit. Elle pleure dans leur cœur quand vous avez pleuré devant le micro. Et vous tous qui pleurez, je suis volant. Je suis volant, mais ce n'est pas le fait que je suis volant qui va libérer mon mari. C'est la mobilisation de nous tous pour demander la libération de nos époux. C'est cette mobilisation-là. Pour tous les troubles qui sont survenus depuis 2010, en tête. Je suis en tête. Il y a eu d'autres mouvements, d'autres partis qui sont venus dans cette mouvance-là, mais aujourd'hui, je suis dehors. Ce qu'on me reprochait, c'est grave. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Assassinat ciblé. Contre des personnes. Même dit que j'avais jeté des bombes sur un marché. J'ai même jeté des bombes sur le marché sec et je n'ai pas pour le marché. Et j'ai même jeté des bombes sur le marché Sagaponé à Bobo pour tuer des plats. Mais les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de là. C'est chez les plats que j'étais à Kenoa. Quand j'ai posé le pays. L'ami de ma mère qui m'élevait, elle est devenue musulmane, c'est une été. Elle s'appelle pour mon mari en été. Mais elle s'appelait Kalia. Quand elle est devenue musulmane, elle a épousé musulmane. Et sa fille est née sous terre, il y a encore. De ma grande soeur. Et je ne vais pas gagner sans passer ce soir. Qui, au moment où on m'a arrêté, était marié à une jambe, de sa matrice. Et pendant que j'étais en prison, son mari de jambe est décédé. Le footballeur, qu'on appelle Keïta.
understand that. Chers amis, courage. Mesdames, courage. On continue la lutte. Je suis avec vous. Quels que soient vos partis, quels que soient nos partis, je suis avec vous tant que vos conjoints sont en prison. Et notre combat, c'est de les sortir de là-bas. Notre combat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais un seul prisonnier d'opinion en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est mon combat aujourd'hui. Quand on aura apuré, quand on aura fini ce combat-là, mes petits frères, de Boubri et papa seront dehors. C'est le petit frère. C'est bon. Mais je ne peux pas aller sortir du poste. Alors, quand on aura fini ce combat, il faudra qu'on ne dise pas que c'est fini. Parce que ceux qui sont exilés, sont aussi en prison. Ils sont aussi en prison. Mais j'ai parlé des camps de réfugiés. Il y a des exilés qui ne sont pas dans les camps. Il y en a à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a. J'ai d'ailleurs dit deux mots. Le président Ouattara m'a dit deux mots de Soro. Donc, tout ça, ça fait partie de nos combats, mais les combattants qui viennent, il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Pour le moment, c'est ce qu'on peut sortir par un décret. C'est de ceux-là que je parle pour le moment. Après les autres, je vais monter aussi au créneau. Pour parler de. Voilà. Pour parler de qu'ils reviennent au pays. Qu'ils soient en France, en Italie. Et ça fait pitié. Quand tu vois qu'il y a beaucoup qui partent en exil aujourd'hui, à travers le désert et la Méditerranée, qui sont ivoiriens. C'est chez nous que les gens venaient. Aujourd'hui, c'est nous qui partons mourir dans l'eau, mourir dans le désert et mourir dans l'eau. Ça me fait mal. Mais on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Donc, il faut se lier. Et pour le moment, soyons mobilisés pour la libération de vos époux. Je suis avec vous. Assado, vous me rappelez chaque semaine pour que tout ce qu'on peut faire, on le fasse. Manuel Aka, il faut me rappeler ça. Pour que tout ce qu'on peut dire, là où on parle, là où on rentre, là où on rentre pas, pour qu'on puisse le dire, parce que c'est la répétition, pour remplir les oreilles de ceux qui peuvent ouvrir les clés des prisons. Il faut que nous remplissions leurs oreilles. Nous remplirons leurs oreilles. Je vous remercie. Merci. Merci. La cérémonie continue un peu. On...
on va prendre place. Il y a juste quelques minutes qu'on va prendre avec la permission de Son Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais appeler, déjà là, Monsieur le Secrétaire Général du FPI, mais appeler aussi Madame Bonifon, ici, au nom des femmes. Le président Laurent Gbagbo vous a appelé, mais il est très collé à la tradition. Chez nous, quand tu invites quelqu'un et qu'il doit repartir, il faut lui payer son transport. Le président vient de là où tout le monde sait, il ne s'est pas encore bien assis, il connaît les difficultés que chacun connaît, les difficultés financières et d'autres sortes de difficultés qui vont se dissiper petit à petit. Mais il a tenu à faire ce geste symbolique à l'endroit des braves dames qu'il a invitées. Monsieur le secrétaire général. Madame Bonifon. Madame, le président, comme il le dit, la PAC, voudrait faire ce petit geste symbolique pour vous aider à aller visiter vos mères. Et même que ce qu'il avait déjà décidé, l'enveloppe que nous avons donnée également pour vous aider. Comme il a dit, c'est symbolique. Son compte est encore, si vous ne savez pas, encore bloqué, gelé. Donc, oui, là, il n'a pas de revenus. Il ne peut même pas s'y laisser quand son compte. Mais il peut se faire aider. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci à vous.